ce qui fait croître. C'est ça la vraie liberté. Cet état de fait a été déjà signalé par les évêques d'Haïti dans leur message du 25 septembre 2008. On laisse bâtir des maisons n'importe où. On se soucie guère d'endiguer les rivières, d'en curer les lits, de protéger les bassins versants, les nappes phréatiques, le littoral côtier. Devant ce sombre et triste tableau, il nous importe de repenser notre conception de la création selon le plan de Dieu. Chers jeunes, bon Dieu, l'elle créée, nous, l'elle créée, ciel, la terre, il y a un plan. Dieu a son plan d'amour sur le monde et sur nous, sur chacun d'entre nous. Et nous avons à entrer dans la visée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu veut pour nous, pour notre bien-être, pour notre avancement, pour notre progrès, pour notre croissance. Et Dieu est le seul qui puisse vouloir tout ce qu'il y a d'élevé pour nous, tout ce qu'il y a de correct pour nous. Et alors, tout le créé vient de lui. Le Père créateur confie à l'homme et à la femme son œuvre pour la parfaire. L'engagement de l'homme en faveur de la conservation et de l'amélioration de l'environnement est lié à un commandement du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous l'a commandé. Et dans toutes les premières pages de la Bible, nous lisons comment Dieu créa toutes choses et les confia ensuite aux soins des êtres humains, eux-mêmes créés à son image. Et il disait, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Genèse, chapitre 1, verset 28. La création est un don de Dieu. C'est un cadeau, mon Dieu, bye, nous toutes. Un don de Dieu à la personne humaine. Et la création, comme don de Dieu à la personne humaine, requiert la responsabilité de celle-ci, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, lorsqu'il disait, c'est un devoir moral pour l'homme de prendre soin de la terre, de notre terre, afin qu'elle produise du fruit et devienne une demeure digne de la famille humaine. Je reprends. C'est un devoir moral, c'est-à-dire une obligation morale. Ce n'est pas quelque chose de facultatif que moi-même qu'à faire ou pas qu'à faire. C'est nous tous qui obligés à faire. C'est un devoir moral pour l'homme de prendre soin de la terre, de notre terre, la terre concrète, la terre haïtienne, la terre où je suis né, le village où je suis né, la ville, ou la communauté où je suis né, c'est un devoir moral pour moi d'en prendre soin afin qu'elle produise du fruit et devienne une demeure digne de la famille humaine. Donc, il est important pour que dorénavant, nous ne pas dit que nous n'embouchons nous seulement que nous dignes. Nous avons un devoir là-bas, non? Dorénavant, l'important que nous ne pas dire seulement, nous-mêmes jeunes, pour nous pas dire seulement que nous dignes, dignes, respectés, nous dignes. Mais pour que l'homme arrive dans le quartier où, dans l'habitation que tu vas vivre, dans la cour que tu es, même si pas de gros ceci, gros cela, nous n'avons pas besoin de gros building, gros ceci, gros cela. Mais avec le peu de moyens que nous gagnons, et nous capables, vous en êtes capables.
que l'arrivé nous est son côté qui digne, son côté qui propre, son côté qui beau. Et qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui va le faire? On va pas dire monsieur ça a fait, on va pas dire madame ça a fait. Qui est-ce qui va le faire? Moi-même, ou même, n'a pas le mettre mais nous, tous ces pantalons nous, manches chemise nous, robe nous, pour nous faire, pour nous s'éclairer côté gagnant, retirer tout bout de mamie, toute vieille chaussette, toute vieille cause qui pas belle, retirer, brûler, pas bon, nous pas plus besoin encore, jeter, bien brûler. Et là, ça, on plante des fleurs. Autour de Caïn, nous plantons des fleurs. Pour chaque caillou, il y a des fleurs. Pour chaque caillou, nous plantons des gazons. Sous gagnant 20 gazons, 20 pieds gazons, avec 20 pieds gazons, on va garantir. Dans une année, on va gagner même 100 pieds gazons. Il y a un produit pour l'autre. Il y a un seul pied gazon capable de faire même 5 autres pieds encore. Et comme ça, vous venez voir la cour remplie avec belle gazon. Et vous usez elle, vous prenez soin elle, vous nettoyez elle. Et le ça, vous ne pouvez pas parler de dignité encore dans la bouche, non? Vous ne pouvez dire respecter encore, non? Il n'y a pas le que vraiment, ah, c'est digne, c'est propre, c'est beau. Et c'est pour ça que nous créons. Bon Dieu, créez-nous. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est là pour nous arriver. Il vous faut vous élever à la hauteur, à la dimension de ce que vous êtes. C'est nous pour grandir, pour nous élever dans la dimension ça. Parce que dans le côté nous, il y a, nous pas fait honneur de Dieu, nous pas fait la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout, l'homme beau, la femme belle, la femme propre, l'homme propre. C'est ça la gloire de Dieu. L'homme qui vive, monde qui vive, monde qui content, monde qui évolue dans la nature, dans l'environnement, dans l'écologie, dans le milieu de vie, qui digne, qui propre, qui beau. Comme écrit encore. Alors,